Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, un tutoriel qui a démarré aujourd'hui par une démonstration grâce à ce micro petit réseau, on va l'appeler comme ça, que j'ai réalisé spécialement pour vous, 40 cm de long sur 10 cm de large, avec la mise en scène d'une aiguille Electrofrog. Pourquoi Electrofrog? Je le rappelle pour ceux qui viendraient de nous rejoindre sur le train de Jules, tout simplement parce que le cœur de l'aiguille ici est polarisable en fonction de la position des lames de l'aiguille. Et vous avez vu grâce à la démonstration de notre petit Moïse ici que les ralentis sont plutôt sympathiques lorsqu'on arrive comme ça à polariser le cœur de notre aiguille. Alors, petit réseau, il y a également ici un interrupteur qui me permet de modifier la position des lames de l'aiguille et donc en dessous le moteur sous table. Le moteur sous table, c'est un moteur fabriqué par Daniel Le Gall, c'est le Daily Moteur 2 avec donc ses contacts auxiliaires ici, présents également de l'autre côté, qui vont vous permettre justement de polariser le cœur de l'aiguille en fonction de la position de l'aiguille ici. On reverra ça en détail tout à l'heure. Et puis également le câble ici qui vous permet de connecter votre moteur à la carte Daily 400 qui permet, elle, de piloter 8 moteurs en même temps. Je vous présente maintenant l'installation avec la mise en place de deux câbles noirs ici. On va appeler des câbles avec le négatif, le positif, deux câbles rouges ici et ici. Et puis comme le cœur d'aiguille est donc isolé, je reviens avec un rouge ici et un noir ici et ici. Voilà. Ensuite, je ramène le rouge ici sur cette partie du domino, le noir sur cette partie-là. Voilà, et donc je branche tout simplement les deux câbles de ma commande numérique pour pouvoir alimenter correctement l'aiguille. J'ai également mis ici deux câbles, un noir, un rouge, un négatif et un positif qui vont aller alimenter les connexions annexes du moteur d'aiguille qui va permettre ensuite d'alimenter soit avec le rouge, soit avec le noir, soit en positif, soit en négatif, soit avec ce côté, donc le cœur de l'aiguille. La motrice prend la voie de gauche. Il faut que ça soit noir ici, rouge ici pour le cœur d'aiguille. Et on a bien compris que quand la motrice prend cet itinéraire, il faut que ça soit rouge ici, mais noir sur le cœur d'aiguille, d'où la polarisation. Ici, le moteur Daily Moteur 2, avec donc le morceau de corde à piano ici qui va en traversant la table, le plan du réseau, aller commander les lames de l'aiguille. Alors là, j'ai fixé le moteur avec deux vis, mais vous pouvez très facilement, et ça marche très très bien, mettre un scotch double face. C'est très très pratique, ça va très très vite et vous pouvez comme ça monter très rapidement sur votre réseau les différents moteurs des différentes aiguilles de votre installation. Alors l'installation est très très simple, vous l'avez compris. Ici donc on fixe le moteur sous la table du réseau, en partie inférieure, soit avec du scotch double face, soit avec des vis. Le morceau de corde à piano pour commander les lames de l'aiguille. Les trois contacteurs, ici le jaune pour alimenter le cœur d'aiguille, et le rouge et le noir. Et en fonction de la position de l'aiguille, en se déplaçant, des contacteurs à l'intérieur vont être actionnés pour alimenter donc le cœur d'aiguille, le fil jaune, soit par le positif, soit par le négatif, ce qui vous permet d'avoir une polarisation donc du cœur d'aiguille. Ensuite, le câblage du moteur est très très simple. Vous allez prendre le connecteur ici du moteur et venir le brancher ici. Alors là, c'est la position du moteur 1. Vous pouvez faire moteur 2, moteur 3, moteur 4, moteur 5, moteur 6, moteur 7 et moteur 8. Et ici, vous avez le commun et en fait une liaison pour chaque moteur, ce qui vous permet tout simplement d'alimenter l'interrupteur qui commandera votre moteur d'aiguille. Ici, une alimentation tout simplement avec un transformateur que vous branchez au secteur et l'installation est terminée. Alors ça fonctionne très simplement à partir de l'interrupteur de votre TCO. Pas beaucoup d'électronique hormis ici, c'est vrai, la soudure des différents fils sur
les interrupteurs qui vont vous permettre de commander les différents moteurs. Mais après, tout se fait par liaison, par fiche, ça va très très rapidement. On fixe ça carrément sous la table du réseau et on peut venir brancher, débrancher un petit peu comme on veut. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous regardez le lien que je vous ai mis avec Dailymotr en dessous dans la description et vous allez sur le site et vous retrouverez d'ailleurs toute la documentation et les différents produits proposés par Daniel Le Gall, ce qui vous permettra de monter une installation à un prix tout à fait acceptable. Merci, à très très bientôt. Vous pensez à liker, à vous abonner à la chaîne Le Train de Jules pour d'autres tutoriels et puis à très très bientôt. La chaîne Le Train de Jules, c'est un nouveau film, une nouvelle vidéo tous les jeudis à 18h. Ça vous a plu? Abonnez-vous en cliquant sur le petit logo. Oui, le petit logo là. Et puis pensez à mettre un petit pouce en l'air. Allez, à très vite sur la chaîne Le Train de Jules.